Et salut tout le monde, bienvenue sur Jozo Space pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le lancement d'une nouvelle série. Une série qui va niquer des mères. Ça va être la série ultime. La série du Let's Play du pauvre. Et voilà les gars, c'est génial, le Let's Play du pauvre. Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Bon, ce sera pas vraiment des Let's Play, ni forcément une grosse série, mais bon. Le principe, ça va être de trouver des jeux pas chers et qui valent vraiment le coup, mais vraiment pas cher. C'est-à-dire que là, ce jeu que vous avez sous les yeux là, et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup, il m'a coûté 30 centimes. Bon, après, j'avoue, j'ai pris sur G2A, mais bon, on va pas chipoter non plus, hein, on va pas me faire chier pour ça. Donc, ce jeu là, c'est une bêta et il s'appelle Paladins Champion of Realm. Donc, vous y avez sûrement entendu parler. C'était un jeu qui sortait un peu comme un concurrent d'Overwatch, sauf qu'il est un peu plus à la bourre, il est moins bien fini. Bon, il coûte 30 centimes, on va pas s'en plaindre. Ah, c'est une bêta, mais une bêta bien. C'est même. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il ressemble énormément, énormément à Overwatch. C'est pas du plagiat, mais je pense pas que ce soit vraiment une histoire de plagiat, c'est juste que les deux jeux à la base se ressemblaient beaucoup. Et du coup, après, bah forcément, qui a pris l'avance et qui avait plus de moyens, bah, il se retrouve avantagé par rapport au petit noob que paraît ce jeu à côté d'Overwatch. Donc il s'agit d'un jeu de Aires Studio, je crois. Et ce sont les développeurs du jeu Tribe Ascent. Donc vous avez sûrement entendu parler, apparemment c'est un jeu de fou, mais il n'y a pas beaucoup de monde, voire personne dessus. J'ai vu quelques parties de ce jeu et c'est vrai que c'est sympa. Ça a l'air d'être un bon studio, ils ont fait Smite aussi. J'y ai jamais joué donc je pourrais pas vous dire, mais non, franchement, ça a l'air d'être un bon truc. Moi, le jeu que j'ai sous la main là, il me plaît. J'ai fait quelques parties, je suis niveau 4, vous pouvez le voir en bas. Bon, c'est pas non plus un truc de fada, mais franchement, pour 30 centimes, il y a moyen de s'amuser. Bon, j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Par contre, le searching là, je vais vous montrer vite fait les champions. Donc, j'ai joué avec trois personnes, donc celle-ci, Cassie. Lui là, Pip. Donc elle c'est comment il s'appelle? Putain c'est la meuf à l'arc en gros. Putain je me rappelle plus le nom du mec d'Overwatch. Elle c'est Fatal parce qu'elle a presque le même fusil. Enfin si je peux montrer je vous montrerai. Et lui c'est Chacal en gros avec le petit lance-grenade. Donc lance-grenade, fusil de précision hashtag mitraillette et arc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Ah ouais, sur ce jeu, forcément, il pouvait pas sortir comme tel, en mode je suis comme Overwatch, sauf que je coûte moins cher et je suis moins Select bien. your champion. Putain. Tu sais quoi, on va prendre elle. Vanessa. Tant pis. Customize your Donc voilà, on a le champion. droit à l'archère. À l'archère et les voix m'ont l'air fortes. Audio settings. Voice volume, ouais, ils ont l'air forts. Ouais, c'est ça, ils étaient forts. Donc vous voyez que il y a plusieurs skins pour l'arme, plusieurs skins pour le personnage et plusieurs skins de monture. En fait, la monture, vous allez voir dans quelques instants, elle remplace le sprint. C'est-à-dire que votre barre d'habilité, dedans, vous avez une barre avec, enfin une case avec un fer à cheval et ça va être le cheval que vous allez invoquer en appuyant sur le bouton sprint. Donc je trouve ça sympa, c'est rigolo. Bon après on s'en fout de la tête du cheval, hein. Ça reste un cheval, on va pas se faire chier à avoir le cheval premium de l'enfer qui tue, pff, on s'en bat les couilles. Ça reste qu'un skin. Bon par contre je suis pas si ouf que ça, enfin je suis pas ouf du tout sur ce jeu, mais bon ça va être ma deuxième partie avec le snipe. D'habitude je kiffe les snipes, bon c'est sympa aussi, mais voilà c'est différent. Donc là vous pouvez voir le cheval, on l'invoque tout simplement comme ça, voilà on apparaît sur son cul. On peut sauter avec, c'est super, c'est génial. On a les habilités en bas. Moi je sais plus. Tu te tais? Non mais tu te tais? J'explique aux gens là, oh! Ça va? Merci. Donc en fait, moi ce que j'ai, c'est l'espèce de truc ici là, qui est à 0% d'ailleurs. Ta mère. Le truc qui est à 0%, c'est un genre de machin que quand je l'active, ça me fait faire des dégâts critiques sur les ennemis. Et je crois que c'est un auto-lock ou une connerie comme ça. Enfin, je suis pas sûr. Je l'ai utilisé qu'une fois. Putain, j'ai grave des chutes de FPS par contre. Pourquoi? Ah putain. J'ai. Ah merde. Oh, attendez, je reviens. Et re les gens, ça y est, j'ai enfin réussi à.
Oh! Ça rend fou. Bon, j'ai enfin réussi à me reconnecter. J'ai été déconnecté pour je ne sais quelle raison. Voilà. Donc, voilà. Vous avez pu voir vite fait les habiletés. Vous voyez que j'ai deux petites mines qui ralentissent. Une petite téléportation. Le scope, tout simplement. Et là, vous voyez, mon personnage préféré sur ceux que j'ai utilisé pour l'instant, c'est l'archère. Mais un peu la tronche qu'elle a. Bon, allez, on va aller sur l'objectif. On va essayer de vous montrer un peu. Alors, je vais vous parler d'un truc. Ce jeu, forcément, il n'a pas voulu copier. Enfin, je pense pas qu'il y ait une histoire de copie non plus. C'est juste qu'ils se ressemblaient déjà beaucoup de base. Mais je vais prendre le fait plutôt que ce jeu, pour se démarquer d'Overwatch, il utilise un peu un système à la CSGO qui est de. Attendez. Oh, je l'ai raté. Essayez de voler le kill. Allez, oui. Donc c'est un système un peu à la CSGO, en fait, entre chaque manche, tous les points qu'on aura récoltés en tuant des mecs, ou en étant dans le point, tout simplement. Là, vous allez voir les petites icônes qui vont s'afficher. Voilà, le point de contrôle, vous voyez à droite que ça monte. J'en ai 352, là. Et en fait, ces petites cochonneries, là, entre chaque manche, on va appuyer sur I, ou pas forcément entre chaque manche, mais n'importe quand, on va appuyer sur I. Et on va pouvoir choisir des cartes. Et ces cartes vont nous donner des bonus. Des bonus supplémentaires. Salope. C'est bien de... Oh, va te faire enculer, toi. Putain. Et ces bonus, en fait, ils vont nous permettre d'avoir, je sais pas moi, 25% de dégâts en moins sur quand on va se prendre 152 de dégâts, par exemple. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et en fait, ces cartes, on va les looter dans les chests qu'on peut gagner en passant de niveau ou en lootant dans les parties. Enfin, je sais pas si on peut vraiment les looter dans les parties. Et donc du coup, dans ces chests, on va aussi looter des skins. Donc des skins d'armes ou de personnages. Putain, j'ai cru que c'était un ennemi. Et du coup, voilà, il faut avoir de la chance ou être con et acheter... Monte ta tête! Putain, il me casse les couilles ce perso. Ça aussi, c'est la nouvelle. Putain, il va peut-être falloir que je règle un peu mieux ma souris aussi. Parce que bon, j'ai absolument fait. Les seuls réglages que j'ai fait, ça a été les réglages son et clavier. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose dans cette manche. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez des cartes. Avec un peu à la Hearthstone, avec le petit sigle pour voir si elle pue légendaire ou pas. Enfin, légendaire. Et que j'ai des épiques ici. C'est magnifique. Je sais pas ce que je vais en foutre. Donc ce que je vais prendre, c'est ça, un bonus sur les boucliers ennemis et des dégâts en moins que je me prends si je me prends du 350 de dégâts, de dommages dans ma tête. Je préfère. Et du coup, voilà, on va y aller. Il y a des skins pour les chevaux aussi. Bon, on s'en bat un peu les steaks, hein. Pour l'instant, j'ai déjà mis 30 centimes. Je vais pas m'amuser à mettre 5 euros dedans. Hein. Ça servait à quoi sinon? Ça sert à quoi ce qu'il a fait lui? Oh putain. J'ai un peu de mal avec ce personnage. Hein. Pourtant j'aime bien le snipe, mais là c'est différent. Du coup on va rester dans le point. Hein. Après c'est clairement pas un personnage de corps à corps. Là cette arc je l'aime trop. Franchement. Allez viens. T'as voulu faire la meuf là, viens. Bon on a déjà gagné. Mais c'est quoi ces vieux adversaires tout pourris aussi? Putain, la partie est finie déjà. Oh là là. Bon, je vais vous en montrer une deuxième. On peut pas se laisser sur ça, c'est pas possible. D'accord. Donc lui, il ressemble à Bastion, je crois. Dans Overwatch. C'est à peu près le même principe. Je kiffe son arme. Je trouve que l'univers est vraiment sympa. C'est un espèce d'univers fantastique. Steampunk, là. C'est vraiment sympa. On va prendre l'archère. Donnez-la moi. J'ai eu ou pas? Allez. Oh non, c'est dégueulasse. Oh putain, ah oh, je vais prendre lui, mais j'ai pas envie. Bon allez, on va le prendre. Putain, fais chier. Bon je vais vous montrer le petit. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un genre de. C'est un rat. Enfin non, pas un rat. Je crois que c'est un renard. C'est un renard ou un. Putain, truc qui grand. Merde, j'ai oublié le nom. Un écureuil, voilà, putain. Parce que j'avais vu sur une vidéo en anglais, le mec il disait que c'était un squirrel. Donc ça doit être. Putain, vous voyez, je suis tout petit en plus. J'ai déjà joué, mais j'avais oublié que c'était comme ça.
Salut. Et ouais, comment il est stylé quand même. Je trouve ça méga classe. And so it Je sais pas begins. comment j'ai fait ça. Et ouais, je balance des espèces de petites grenades. Point spawning in 30 seconds. J'ai une grosse grenade si je fais clic gauche, clic droit, pardon. F, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait F? Je crois que A, ça balance une zone où j'empoisonne Point les gens. spawning in 15 seconds. Allez, dans 15 secondes, au go. Ouh. Ouh, sa petite voix, elle était pas mal là, au mec devant là. Et on n'a pas le temps maintenant. Oh putain, c'est vrai que... Putain, je suis trop con. En plus, je me suis fait mal tout seul. Ouais, parce qu'en fait, il suffit de tirer ou d'appuyer sur le bouton sprint pour descendre du cheval. Voilà. Donc des fois, on fait pas exprès. Et... Alors, attendons. Il fait mal, par contre, mon perso. Oh, c'est dégueulasse! Putain, avec tout ce que je lui ai envoyé, enlevé de vie. Ah, c'est lui en plus! Oh, mais t'as pas honte à rester au fond comme ça, toi? Ouais, et par contre, enfin, ce qui va. Ça va, tranquille, toi? Putain, enculé. En fait, le truc, c'est que la supériorité numérique dans des duels, ça va être vraiment ultra important. C'est. Si t'as pas ton ulti, tu t'en sors pas, en fait. Ou alors, c'est sauf si le mec, il sait pas jouer. C'est vraiment. Mais quand je dis sait pas jouer, c'est. Ok, pas mal, on a aidé à éliminer un. Putain, je peux plus. Oh, fais chier! Ah! Putain, je suis dégueu. Et ouais, mais elle fait mal, elle. Elle fait très mal. C'est elle, c'est le pouvoir de glace qu'elle a. This is the way for horses. Oh. Allez, viens là, beau gosse. Du coup, on va peut-être essayer nos aptitudes aussi, s'il te plaît. Ah ouais, j'ai un pouvoir chelou aussi. C'est quoi cette coche? Pourquoi je suis... Ah, je peux transformer les ennemis en poulet! Oh, c'est débile! Je croyais que ça allait faire une grosse explosion, moi. Ah ouais, mais... Et ouais, mais elle casse les couilles, elle a pris l'arc et je voulais l'arc, moi. Putain. Moi, j'aurais fait quelque chose avec l'arc plutôt qu'avec ce rat dégueu, là. Enfin, ce rat. Ah, c'est pas gentil. En plus, il est fort. C'est juste moi qui suis nul. Ah ouais, elle s'enferme dans son glaçon, là. Espèce d'iconasse. Putain, tranquille. Ouais, je crois que je peux le faire reculer. On va le faire reculer. Ouais. Allez, recule. Recule ou je t'encule. Désolé. J'ai mon ulti, non, pas du tout. Ah non, c'est un heal peut-être. Ah, j'ai fait du dégât, je crois. Je crois que j'ai fait du dégât un peu. Allez, recule. Putain, arrête de t'enfermer dans ton glaçon à la con, toi. Bon, pour l'instant, on tient bon. Oh, on l'a niqué. Allez, allez, non, non. Oh, je suis mort. Dommage, j'ai bien tenu. Là, on a fait une bonne action, je trouve. Ah, comme quoi il est pas si dégueu ce petit renard. Enfin, ce petit renard là.
J'ai la grosse attaque de... Est-ce qu'on a gagné ou pas? Non, là pour l'instant ils sont devant. Ouais, voilà, donc je vais vous montrer les cartes. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Ouais, un truc sur le cooldown et sur les dommages. On va prendre... ouais, une augmentation. Ouais, ça c'est important parce qu'il est long à recharger, je trouve. Point Donc vous has voyez les spawned. points qu'on a en bas à droite. Il m'en reste 200 encore. Donc je trouve que ça va, ça passe bien. Après c'est clair que si t'as de la chance ou si tu achètes des coffres, t'auras forcément des meilleures cartes que les autres. Donc ça peut pas mal jouer ça. Putain, on a été pris en vue. Ah ok, c'est ça l'œil en fait. Ouh. Ça c'est l'attaque puissante de l'archer. En fait, elle fait un... Il est où? Allez, mes boules, toi. Oula, on va... Ouh, je regarde jamais ma vie, mais là, c'est vrai que j'étais un peu juste. Elle m'a pas vu. Oh. Ah si, elle m'a vu. Heureusement qu'il y avait mon pote, parce que je pense... Oh, quoi que ça va. J'étais bien quand même. Je croyais qu'elle m'avait pas vu, elle s'est retournée, elle m'a fait piter cette espèce de Haguna. Alors attends, on va descendre, ça sert à rien. Ah non, je crois que c'était un truc de méchant. On va regarder là quand même. Il y a toujours un petit malin qui essaie de passer derrière. Ok, là-bas il y a du vilain. Pour l'instant, il faudrait que... Ouh, mademoiselle. Elle est pas morte! Ah putain, je suis deg. Je suis deg. Putain, ça c'est parce que j'ai eu trop faim, ça. J'ai voulu aller chercher l'autre qui s'est caché. Putain, il a une pose stylée quand même sur son petit cheval. Eh mais les gars, ils sont cons aussi. On s'est fait chier à débloquer le truc et il avance pas. Il faut l'avancer un minimum quand même. Ah, du coup, on va se faire un peu des points. Toujours bon à prendre. Oh, elle m'emmerde avec son glaçon à la con, elle. Elle bouge de là! Oui, oui, oui. Oh, la grenade, elle va faire mal au cul! On va régénérer un petit peu parce que là ça va pas le faire. Je peux pas sauter plus haut par contre. Est-ce qu'il y a un moyen de sauter plus haut? Ouais, c'est du heal, je viens de voir. Oui. Oh, va te faire voir toi. Allez! Faut pas les couilles de ta vie. Je te déglingue, moi. Et ouais, mais là, on n'aura pas le temps. Allez, allez! Allez! Oui, l'overtime qui va nous faire gagner! Oui! Oh, 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 quel magnifique round. Le temps supplémentaire. Ah, deg. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a fait un peu. J'espère qu'on n'a pas trop fait de la merde. Putain, 71 000 d'expérience, c'est pas mal du tout. Ah, bah, je vais pouvoir vous ouvrir un petit coffre. Voilà. Putain, 2400, c'est pas mal. Oh, je suis presque en positif. Putain, 18 assists, c'est chaud quand même. 9 kills en solo.
Et 72 000 de dégâts. Pff, sur les dégâts, je les ai tous mis à l'amende par contre. Putain, ouais. Oh putain, le mec avec son qui remplace faux là, il est vachement fort, je trouve. Allez. On va ouvrir un petit coffre en espérant avoir. J'aimerais bien un skin de personnage. Ah bah non. Ça a l'air d'être des trucs bien quand même. J'ai l'impression qu'on a pas mal d'épiques dans chaque coffre. Je sais pas s'il y a un truc plus fort que l'épique, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà un petit moment que je joue. J'espère que ça vous a plu. Et puis bon, vous avez compris le principe. Hein. Un jeu qui ressemble à Overwatch, c'est pas mal. Et puis bon, 30 centimes, on va pas s'en plaindre. Allez les gars, je vous dis à plus et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.